This game may content... Oui, forcément c'est un jeu d'horreur. Alors j'ai déjà fait les réglages de luminosité, tout ça. Je suis déjà allé voir les langues. Il n'y a point de français, comme le premier. Voilà, on a portugais. En plus j'ai eu un espoir parce qu'il y a portugais, il y a espagnol, il y a allemand, mais il n'y a pas français. Ça c'est peut-être du taïwanais. Je suis pas sûr. Ça c'est du... japonais. Et ça c'est du chinois? Ah, j'ai un doute. Attends. Ah, parce qu'il y a celui-là aussi. Ah bah j'en sais rien. On va éviter de dire des conneries. Il doit y avoir japonais... Japonais, chinois et coréen sûrement. Mais du coup je ne sais pas lequel est lequel. Voilà, en tout cas on va rester en anglais, hein. C'est plus simple. Il faut te quoi? Me ping. Tu sais, tu mets la petite arrobase avec Nao. Comme ça je vois ton message, ça m'envoie une notification en fait. Il y a Thaï. Taïwan. J'ai pas dit Thaï tout à l'heure? Je sais pas ce que j'ai dit. Taïwanais, il parle pas cantonais de base. Oh, j'en sais rien du tout. J'avoue que ma culture s'arrête là après. Coucou Vicentgel, tu vas bien? Bonsoir. Et coucou Cosméotique. Par contre, Voice Language, j'avais pas vu, on va pas y mettre en anglais, hein. Je suis pas d'accord. Alors attends, le jeu de base il est chinois, oui, voilà. Ah, il est chinois. Il est chinois, mais ça se passe à Taïwan. Possiblement, ok. Je remets les voix en chinois, parce que pas de raison qu'on les mette en anglais. Ok. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son vous sied? Collection, je sais pas ce que c'est. Bah, c'est des trucs que j'ai pas. Voilà. Fort bien. Ouais, ça va, vous m'entendez bien? À Taïwan, on parle mandarin, donc oui, c'est ça. Ah, ok, d'accord. C'est parfait, ok, super. Moi, je vais mettre un peu plus de son, j'entends pas grand-chose. Passer le menu. Alors... on est parti du coup pour découvrir The Bridge Curse. Je vais recommencer. Bonjour YouTube, je recommence. On est parti pour découvrir The Bridge Curse 2: The Extrication. On avait testé déjà la démo il y a quelques mois de ça. Et on a déjà fait le premier jeu évidemment. Où, alors je me rappelle plus de toute l'histoire, mais effectivement il y avait une histoire de... malédiction sur un pont avec un fantôme, etc. Ça concernait des étudiants qui faisaient partie d'un club de fantômes, je crois, ou un truc comme ça. Je crois qu'ils faisaient un reportage ou un... soit un reportage, soit un enregistrement en tout cas. Ou... ah non, c'était peut-être pas un reportage, je crois qu'ils faisaient un film sur le fantôme du pont, sauf que le fantôme du pont apparaissait pour de vrai, ou... je sais plus, il y avait une histoire comme ça. Par contre, moi, je me rappelle plus comment ça se termine et tout. Donc si c'est vraiment la suite, du coup, je sais pas. On espère que le jeu va nous remettre dedans. Et là, c'est le 2. Donc écoutez, c'est parti. Coucou Blueberry. Alors, on va jouer plusieurs personnages comme dans le 1. On va jouer Su Lian. Pas sûr, non. Ça va parler, le film va parler d'un meurtre qui s'est passé... au lycée, l'université. Je dois sortir d'ici. Tu es moi. Tu es à moi. J'ai bien mot. Ok. Harcèlement sur mon heure. Et meurtre. Ah, il a pas de lien avec le premier. Ok, bon bah, tant mieux dans un sens. Ah, c'est fort d'un coup. Même si je meurs. Je partirai jamais. Comment c'est possible? C'est pas les images du le bâtiment piège les âmes ici. Ah non, c'est ce qu'on avait vu dans la démo, ouais. Toutes les âmes qui meurent dans le bâtiment restent bloquées dans le bâtiment. 2016文华大学联合迎新恐怖嘉年华，09/147点放映室与你在一起。Soyez avertis, pas. Eh ben voilà, c'est sympa. Le son, ça va? Dites-moi si vous voulez que je baisse. Hein. Ça m'avait l'air peut-être un peu fort. Tu filmes Hunting School? Ah, je l'ai pas vu. Ah, du coup, on va refaire peut-être la démo. Hein. Je suis à l'extérieur, je reporte. Il n'est pas comme ça, madame Wong. Il se sentait pas très bien. Peut-être que je n'ai pas été clair. Ok, on va à l'université. Là, ça parle du film des étudiants et de leur histoire de fantômes, donc ça parle peut-être quand même mieux. Là, c'est le mois des fantômes. Ouais, si j'arrive à avoir quelque chose, histoire pour être virale. Ah, ça doit être vraiment flippant la nuit. Hein. Merci, madame Wong. Coucou, Abigail. Report les anomalies, laisse-moi t'envoyer. Ok, donc ça, ouais, je me rappelle, ça c'est le début de la démo. Donc on va effectivement refaire le début. On va refaire la démo en fait, en ce début de jeu. Alors, putain, les mêmes instructions passent trop vite. Donc ça c'est Moui. Ça doit être Moui ça. Ça c'est Moui. C'est Souline. J'ai déjà oublié son nom. Souline, je crois. Mystérieuse lettre. Ah. Quelqu'un qui a appelé à l'aide derrière. Ah, j'ai tout compris. Ok. In the back, regarde. Ah ouais, aidez-moi, reporter Souline. Ok, d'accord. Donc je suis une reporter, ok. Ça marche. Oh, il y a une Sam derrière moi. Ah non, c'est une Kiki. Je sens plus mes chats. Je crois qu'il y avait quelqu'un. Ah, j'ai trouvé des sous! Derrière de l'enveloppe, il y a des cheveux et une note écrite à la main. Il y a les 4 piliers de la destinée avec un individu spécifique sont notés derrière. Fuck superstition, believe, if you want to find a subtle marriage partner for someone who would pass, you can place the red envelope in the ground and wait for the partner to pick up. Alors, dans la superstition, si tu veux trouver un partenaire de vie pour te marier, pour quelqu'un qui est mort... Attends. Attends, genre, t'as perdu ton mari, tu veux trouver quelqu'un d'autre, c'est ça? Tu dois placer une enveloppe rouge sur le sol et attendre que son futur partenaire la récupère. Si j'ai bien compris. Ok. Ça marche. Bon, allons enquêter cette personne qui nous demande de l'aide. Cling. Cling. Il a pas aimé que je le glingue. Ah, je me rappelle de lui. On le voit dans la démo. Je me rappelle. Eh? Qui est là? C'est un Alia. Coucou, Mégami de pain. Et coucou, Kiki. Partenaire, Jiminy Christmas. C'était Kiki. Ah, cette scène me dit quelque chose. Mais oui, on l'a vu dans la démo. Genre, il m'a pas vu, ouais. C'est vrai que j'étais pas si bien caché que ça non plus. Mais oui, on a vu tout ça dans la démo, donc c'est normal que ça vous rappelle quelque chose. Si vous voulez, j'essaierai de vous dire à partir de quand on n'est plus dans la démo. Mais je me rappelle quand même d'une scène d'infiltration où lui il est là et on doit passer dans son bureau pour aller chercher je sais plus quoi. Et je crois que ça s'arrête pas très loin après cette scène d'ailleurs. Il l'a même pas caressé, ouais. Pauvre chat. Ça va, malgré bientôt le bac. Courage, courage, ça va le faire. Force, force et honneur, comme j'aime bien dire. C'est un mauvais moment passé, puis après... après tu seras tranquille. Tu donnes tout pour le jour, et après tu fais... tu relâches bien tout d'un coup. Après tu profites. Hop. Do a dim lighting, ça fait midnight. Ah, on n'a pas le droit de se promener, oui, après minuit, c'est pour ça qu'il y a un gardien. Du coup, toutes les portes sont fermées. S'il vous plaît, quittez le building à une heure appropriée. Eh ben non. Ah, c'est le fun. Thé. Ah, cette bouille. Madame Wang. Ah, j'ai eu un appel inconnu. Est-ce que tu y es? Allô, quoi? Qui c'est? La lettre. C'était si dur de t'avoir. Merveilleux. Ok, donc ça va être la personne qui m'a envoyé la lettre. Apparemment. Est-ce que je peux aller voir les messages? Ouais, je peux aller voir les messages de mon popo. Qu'est-ce qu'il dit, popo? Tu ne viens pas à la maison ce soir? Oui, j'ai un cas sur lequel je dois investiguer. Dis à maman. Dis-le à maman pour moi. Pourquoi tu dois investiguer là-dessus? Tu sais, ta maman est vraiment inquiète à propos de toi pour, quand tu es sur des affaires comme ça. Tu ferais vraiment mieux de juste abandonner et chercher un boulot au gouvernement. Ça serait plus stable et c'est un bon travail, crois-moi. Ah, et je peux répondre. Beat around the bush. Beat around the bush. Frapper sur le bush. Je sais pas, j'ai pas compris la phrase. Frapper autour du bush. Attendez, je vais voir les autres messages. Bobby, tu vas bien? Oui, oui, je demandais juste. Voilà. Il y a des jeunes reporters qui tueraient pour ça. Ouais, genre, je suis sur une grosse affaire, quoi. C'est une expression. Ouais, mais du coup, je l'ai pas compris. Si quelqu'un a la trad. Coucou Lovalia, coucou Juliette. Ah, tourner autour du pot, d'accord. Ok, donc soit je refuse directement, soit je tourne autour du pot. Ok, je vais tourner autour du pot pour pas blesser Popo. Tiens, voilà. Ah, c'est cool qu'on puisse choisir un peu les réponses. Papa, le signal passe pas ici, je retourne au travail. Repose-toi, bonne nuit. Ok, on se reparlera quand on aura fini, je t'aime. Ok. Ok, ok. La vidéo du club a explosé. Il y a tellement d'histoires de fantômes à propos de Wenhua. When the Talking Dog has Ghost. Ok, ok. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses sur le téléphone. Comment va ce beau monde? Bah ça va bien et toi? Ah, il faut que je la retienne cette expression. Et on la voit pas souvent. Beating around the bush. Beating around the bush. Je vais essayer de la retenir. Ah d'accord, c'est la musique. Donc là, oui, un événement d'horreur. Le mois du fantôme. Carnaval de l'horreur. Avec le film, etc. Ok. Le Kendo Club. Où il y a du kendo. L'ascenseur. Ça me perturbe, c'est F au lieu de E. Ah oui, bah ça rappelle un petit peu l'ambiance White Day finalement. Hein. C'est notre référence de toute façon en matière de jeu d'horreur école. Hey Ziane, regarde ça. La clé du registre in the military instruction room. Ah voilà, bah c'est ça qu'on va aller devoir chercher. C'est la clé. La clé des registres, elle est dans la pièce d'instruction room. Fucking wide, fucking enfant. Pourquoi il me traite d'enfant? J'apprécie l'aide. On doit asking too much, ok. Poste dit une urgente paye. On fait du moitié-moitié. Ça doit être un scam. J'investis sur... J'ai rien compris de quoi il parlait. J'ai pas suivi. Je suis en train d'investiguer. J'ai pas vraiment parlé des détails. Encore merci pour l'aide. Ok, je verrai pour une interview avec le club de film. Ok, ok. Ah, c'est parce qu'il m'a donné le renseignement. Ok. Alors, Military Instruction Office. Ok, c'est là où on va. Moi, je me rappelle le 1, ce qui m'avait extrêmement marqué. J'avais trouvé très très drôle. Et un peu flippant, je crois, de souvenir. C'était... Vous vous souvenez de la machine? Enfin, le distributeur comme ça, là, qui nous donnait des trucs random. Qui s'activait tout seul et tout, c'était très bizarre. Guidebook, ouais. Avec une map 2D. Oui. Ah. Parfait. Ah, est-ce qu'il y a des trucs... Ok, je peux l'ouvrir comme ça. Est-ce qu'il y a des trucs à fouiller ou ça sert à rien? Je sais pas du tout. On va aller directement. Ah, la machine était drôle. Bon, ouais, plein de bisous, Hello Valia. Prends soin de toi surtout. Gros bisous. Distributeur de MacGyver. Hein. Oui. Charmouf. Ah bah c'est là. On y est déjà. Alors je crois que j'avais déjà galéré dans la démo. J'espère que je vais pas regalérer ici. Je crois qu'on avait recommencé quelques fois. Infiltration. Ah mais il dort pas? Il se marre. Je sais pas si... Il dort pas comme ça. Ah si, ok. C'est pas moi, c'est... Eh? C'est le chat. Miaou. Moi j'aurais fait miaou, hein. Oui, il y avait pas un truc bizarre dans la démo? J'ai des souvenirs qui me... Un vieux paix comme moi. Qu'est-ce qu'il dit? Là, je ferais mieux de me tenir occupé. Un vieux paix comme moi? Ou alors j'ai mal lu. Ce poster là-bas déjà. Watch out, ok. Oui, alors il faut pas que je fasse de bruit. Et aussi, oui, ils entendent les objets que je vais faire tomber par terre ou des trucs comme ça. Déjà, on va se baisser. Find the key, ouais. Déjà, là, il y avait la télécommande. Ouais, je me souviens qu'il y avait un truc bizarre, je crois. Il y avait une scène bizarre qui était assez drôle dans la démo, mais je sais plus quoi. Est-ce que j'ai le temps de passer? Merde, non, il a bougé déjà. Il est où? Okay. Je peux pas jeter des petits coups d'œil. Hein. Hop. Il a des lunettes de soleil à l'intérieur, MDR. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non, il va là où je veux aller? Il est un peu aveugle, hein, le mec. Il fait quoi? Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne traduirai pas. Je ne traduirai pas. Mais mec, mais c'est gênant de fou. Je fais pas ça, quoi. Le mec qui regarde à 2 cm du poster, c'est horrible. Ah, c'est affreux. Il va pas se retourner si je file derrière lui. Bah, au moins se mettre là. Ah, c'est bon. L'homme basique. Non, mais là, c'est pire que ça, là. On file, on file, on file. Ouf. Merde, il m'a vu. Alors là, je suis pas caché du tout. Fuck. Bah, s'il se retourne... C'était peut-être ça les trucs bizarres dont j'avais un peu souvenir là tout à l'heure. Alors là, en plus, je suis coincé, je peux pas bouger. Je pose. Ah, là, c'est terrible. Est-ce qu'il va faire demi-tour ou est-ce qu'il... Ou est-ce qu'il va faire le tour du canapé? De souvenir, les clés sont dans cette pièce, il me semble. Ah, ça doit être dans sa veste. Il y a sa veste là-bas. Ah, quoi que peut-être pas, je vois un œil là-bas. What? Non mais vous avez vu l'action qu'il a fait? Genre il a donné un petit coup de... Personne fait ça? Mais what? Mais j'ai pas fait de bruit. Il a juste donné un petit coup d'œil derrière lui, personne fait ça. Oh putain. Moi, je vais foncer direct à l'objectif. Là, j'ai même pas fait de bruit. Ouais, genre il m'a senti quoi. Abusé. J'y vais direct parce que s'il fait tous les petits tours qu'il a fait tout à l'heure dans la pièce, j'ai largement le temps, ouais. Ou alors il va venir directement ici. Merde, je l'entends pas s'arrêter. Chiotte, il vient ici. Il vient ici ou pas? Je les ai. Oui! Oui! Lâche! Ok, maintenant il faut que je sorte. Là, il va faire le con devant son poster. Par contre, je sais pas ce que c'est l'œil là-bas. C'est pas en prenant des pauses comme ça que tu vas te muscler. Hein. Pas te décevoir, mais. Bon, là, normalement, il va passer à droite, donc je vais pouvoir passer ici. Enfin, ça à droite. Feu! J'ai presque envie de rush, mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Pourquoi je peux regarder ces godasses? Ouais. D'accord. Putain, j'aurais le temps de passer. Oh, vas-y, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Vous avez, j'y vais, j'y vais. Quand même rester accroupi. En plus, je fais un gros bruit de frottement. Bon ça, on a moins galéré, mais c'est parce que je me rappelais un petit peu en fait que les clés étaient dans la veste et tout. Ok. Allez. Hop. Et là, par contre, j'ai fait masse bruit en fermant la porte, mais c'est pas grave. Ah. Alors, les clés ouvrent quoi déjà? Quête to the Registrar Office. C'est où? Premier étage. Déjà, on est au premier étage. Registre office. Je vais tout droit. Et après à gauche. Ok. Ah mais il était malaisant quand même. Tout droit et à gauche. Et ça doit être... Bah c'est là-bas. Oui mais comment j'y vais? On va passer par les escaliers je suppose. On va essayer de contourner ailleurs. Oh c'est quoi? J'ai cru que c'était une boîte de Kiri. Un donuts. Ouais, il y a plein de trucs. Attendez, c'est quoi ça? Safe sex. Ah, c'est des préservatifs. Gurex. C'est des Gurex. Ah, d'accord. Mais genre, ils donnent ça dans une école? Ah ouais? Putain, ça me semble... C'est étrange. Non mais genre, le poster dessus, mais à l'aide. Ah, je peux venir là, mais je sais pas s'il y a un intérêt. Gourex. Regardez le poster du chat. Ah, c'est une légende urbaine d'un chat noir qui a été vu aux alentours de Wenhua. Ah, qui serait un esprit vengeur. Ceux qui essayaient d'aider le chat se retrouvaient possédés et désorientés. Et après, il mourait. Trop bien! Ça a l'air cool. Oh putain, on a des feutres comme dans White Day pour sauvegarder. Là. Ryzen! Ça, c'est une. Il y a un CPU, oui. Il y a une carte graphique. Oui, alors je sais pas pourquoi je peux trouver ça, c'est assez étrange. Mais genre, le préservatif, je l'ai vraiment ramassé? Non, je l'ai pas ramassé, ok, c'est bon. Parce que je t'ai entendu dire, il va me servir à quoi dans le jeu là? Je fais un ballon avec et je vais le lancer sur la tête du gardien. Je crois pas qu'il y ait d'autres choses. Une fiche de manga. Voice Love. Ah voilà, je peux peut-être redescendre par là. Toujours besoin d'une élastique. J'ai cru que t'allais dire d'un préservatif. Voilà. On avance. Les petites plantes. Ça, je sais pas ce que c'est. Ok. La petite clé. Alors. Chercher au registraire office. Bah j'y suis. Je cherche quoi du coup? Ah, des documents classifiés. Ah, la cassette de l'ascenseur de l'incident de l'ascenseur 2000. Ne pas montrer. Ne pas... Ah, alors là, je comprends rien, par contre. Ah, je suis un total noob. Je suis un freshman. Ce que j'ai entendu, alors Wenhua a été construit entre le Yin et le Yang zone, enfin sur une zone de Yin Yang. Et apparemment, ça attire les esprits démoniaques et ce genre de trucs. Apparemment, il y a une sorte de trigramme. Et il faut être un peu con quand même pour construire le bâtiment sur un truc comme ça. Du coup, c'est hanté. Il y a des murmures à propos de l'ascenseur parfois. Some say you can take into B3. Alors, certains disent que si vous allez en B3, alors que ça n'existe même pas. Ah, le B3 n'existe pas. Mad Ballerina. Cat Spearing Grinding the Bus. Fire Apple. Oula, erreur 404, 1960. Ok, ça c'est tous les trucs qui sont passés. Empty Music Room. Ok, bon, il s'est passé plein de trucs. Darren Vidéo. Ah, là ça parle encore de l'apparition de fantômes dans l'ascenseur. Remember, tout part to save energy. Ouais, couper les trucs avant de partir, ok. Chat pas en cacahuète, il s'est passé quoi? Il y en avait dans mon lycée des streeters comme ça, c'est vrai? Dans mon lycée, tu pouvais en demander à la CPE, mais il n'y en avait pas dispo. Ah bah nous non plus, hein. Oh, ça m'étonne, hein, ouais. Surtout, genre dans des pays comme ceux-là, ça m'étonne encore plus en fait. Parce que par rapport à ça, ils sont assez stricts et tout. Oh là. C'est quoi ça? Géométrique par terne. Assembler des peintures, ça peut être connecté à quelque chose. Ah, ça sent l'énigme. Eh, ça sent l'énigme. Il doit manquer un truc, ouais. Il doit manquer un deuxième. Allez, là il me faut un code, ok. Non, nous, le seul moment où on en avait eu, c'était bah, le seul cours d'éducation sexuelle qu'il y avait eu. On nous avait donné un préservatif chacun, je crois. Et on était en mode... Cours d'éducation sexuelle qui était assez étrange de souvenir d'ailleurs. Même si, bon, je me rappelle plus exactement pourquoi, mais... Transport de borne... Ok. Ça, là, j'ai la deuxième... Ah, la cassette va être dans le truc du coup. Il n'y a rien d'autre. Ok. Après, en vrai, c'est peut-être pas une mauvaise chose aussi qu'ils en donnent, hein. 990. Ah non, 7706, ok. 7706. Alors, comment je... Ah. Non. Oui, 7. J'ai dit quoi? 7 7? Non, 7006, non? J'ai oublié, j'ai déjà oublié ce que j'ai vu, quoi. 0... 0... 6... C'est pas ça? Attends. Ah si? Ah, ou alors c'est un 1. Je ne sais pas. Ah non. Est-ce que je les ai mis dans le mauvais sens? Je vois pas trop ce que ça peut faire d'autre comme code, hein, là. Je pense que c'est plus un 1 qu'un 7 en plus. Ouais, c'est soit 1006, soit c'est 7006. Ah, les couleurs! Ah, j'ai pas regardé les couleurs, mais ouais, je suis bête. Alors, c'est 7... Alors, je sais pas si c'est un 7 ou un... On va dire 7 rouge, 0 vert. Et après, les autres, c'était quoi? 0 jaune et 6 bleus. 0 jaune... Voilà. Ok. C'est bien 7. Pouette. Regardez la fille de l'ascenseur. Ouais, ça je me rappelle un petit peu. Je sais pas si vous vous rappelez la démo. Là ça me revient un peu. Ah, je ne peux pas croire que ça soit là. Mais où est-ce que je peux jouer ce truc? Oh merde. Bonjour. Oh. Je suis pas si moche quand même. Je voulais pas vous faire peur, vous allez bien? Oui, oui, je vais bien. Ah, mais vous ressemblez pas à un étudiant? Aussi vieux que je suis? Je pense que... Voilà. Soulian. Vous êtes un reporter pour United News. Ah, mais je vous connais! On est passé à la télé. Bon, la couverture est cramée de fou, quoi. Oui, je suis là pour interviewer des étudiants. À cette heure-là? Ouais. Ils doivent être occupés ou un truc comme ça. Si micro, il est un peu con. J'essaie d'appeler ma boss, c'est ça? 电话都不接啊！哎呦，把你一个人丢在这边迷路，怎么会这样呢？不好意思，我这边的吴同学好像在忙。Il doit être occupé, mais. 啊，还是教官。 Ah, est-ce que je peux vous interviewer peut-être? Eh, on peut pas. Oh non, 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 je ne crois pas. À propos du campus, de l'histoire de l'école. Mon boss, il veut un reportage sur le Wu. Peut-être que vous pourrez me raconter une histoire ou un truc comme ça. Ah, je vois. Comme ça, vous ne rentrez pas les mains vides. Ah, vous avez de la chance. Je connais plein d'histoires. Vous êtes tombé sur le bon gars. Je connais tout à propos de Wenhua Université. Ouais, en gros, il peut pas faire ça là. Il faut une boisson, je sais pas quoi. Oh, des fois, il y a un truc qui est tombé ou un qui s'est fermé. Ok, allons voir. Vous, vous restez là. Ok. je fais mon mieux pour la traduction, mais ça va très vite. Je vous traduis le plus essentiel. N'en voulez pas. On peut lui dire qu'on l'a vu faire des trucs très bizarres devant deux posters ou pas? Moi, je vais pas lui dire quand même. C'est. Oh oh. Puis surtout quand il zoomait sur le. Ah, on m'avait fâché. Oui, c'était juste. Si je zoomais sur le poster de la fille, c'était vraiment fort. Je ferais mieux d'aller vérifier. Ok. D'aller vérifier le bruit. Ah, est-ce que le jeu sauvegarde ou c'est moi qui sauvegarde? Non, c'est le jeu qui sauvegarde. Ok. Monsieur, c'est où la cafétéria? Peut-être partie. Aucune idée. Monsieur. Non, quelle année dans le jeu? Je sais pas si on a eu l'info. Je sais pas. Bonne question. C'est vrai qu'il y a encore des cassettes, ouais. D'Aren Building. Il est passé où? Coucou Rex, tu vas bien? Peut-être par là. Il y a une niche. Pourquoi il y a une niche? Romance novel. Oh, il y a un distributeur dessus en plus. C'est ça! C'est cette histoire-là! Ah, c'est incroyable! Une touchante histoire d'amour à propos d'une relation destinée par le destin, enfin, guidée par le destin, entre un humain et un esprit qui possède une, un distributeur automatique. Mais c'est, à tous les coups, c'est celui-là qu'on a vu dans le 1. Ah, c'est incroyable! C'est trop drôle. Ah, oui, il est là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Attendez, moi je regarde la niche parce que ça m'intrigue. Pourquoi il y a une niche ici? Il y a un chien? Bizarre. J'ai couché avec un distributeur de poissons. Je peux pas savoir, c'est dégueulasse. Je peux même pas imaginer. Il y a un KFC? What the fuck? La cafétéria? Enfin, un KGG, pardon. Il y a un cow. Vous allez bien? Vous avez besoin d'aide? Ah, qu'est-ce que vous faites ici? Ah non, c'est rien. Qu'est-ce qu'il essuie? Qu'est-ce qu'il fait? Il est louche. Est-ce qu'on allait acheter un truc à boire? Oui, bien sûr. Ah, bah, prenez un siège. Sinon, ce jeu me rappelle vraiment quelque chose. Oui, parce qu'on a fait la démo. Donc c'est normal. Ah, classique, ça fera le boulot. Il y a plus quoi? Alors, par où on commence? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je sais tout sur Wenhua. Demandez. Est-ce que vous savez quelque chose à propos des disparitions des cas de disparition? Un mec qui s'appelle Wong Ting Ting. Elle. Ah, c'est la meuf de l'ascenseur. La fameuse. Ah oui, quelle honte. C'était une bonne fille. Vous la connaissiez? Oui, on peut dire ça. Mais elle n'est pas morte. Le corps n'a jamais été trouvé, donc... La police considère toujours que c'est une personne disparue. Ah, je vois. Après autant d'années, on suppose qu'elle est... Ouais, je suppose la même chose. Comment vous avez vu cette vidéo? Ah, elle est sur tout Internet, vous ne l'avez pas vue? Internet? Ah, je suis pas bon avec les ordinateurs. Mais c'est sur le téléphone aussi. Ah, c'est quoi, c'est cette tablette maintenant? J'utilise pas ce genre de truc. Pourquoi vous me demandez à propos de cette fille? Actuellement, on fait un spécial reportage sur le cas de Yuan. On a vu Seeing the Elevator Again. J'ai pas le temps de le... Vous connaissez beaucoup de choses à propos de cet endroit, c'est pour ça que je demande. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. La couche, j'ai passé beaucoup de temps ici. C'est incroyable quand le temps passe vite. Ouais, surtout quand il est tard. C'est pas comme si j'allais quelque part de toute façon. Et avec votre femme? Ah, pas de femme. Ah, elle est morte il y a longtemps. D'un accident. Oh, désolé. Ah, ça va. Oh, je fais ce que je peux pour la trad. Je suis désolé, hein. Je fais ce que je peux. Ah, regardez elle. Une bien belle infirmière. C'est une vieille photo, on est en quelle année? On sait pas ce qui s'est passé. Ah, désolé. Ouais, j'ai pas tout suivi ce qu'il a dit. Non, vous inquiétez pas. Écoutez-moi parler à propos de moi, c'est plutôt ennuyeux. Non, non, pas du tout. Je suis content que vous m'en ayez parlé. Ça fait un moment que j'ai pas parlé avec quelqu'un. Merci. Merde, j'ai pas enlevé la moustache. Vous pouvez rester ici un moment. Je vais vous amener vers la salle d'histoire. J'ai pas le temps de lire. C'est même pas que j'ai pas le temps de traduire, j'ai même pas le temps de lire. Quoi, tellement ça va vite. Dites au sergent qu'on voulait aller... Putain, mais même là, ça part trop vite. À la salle d'histoire, un truc comme ça. Déjà, je veux boire, moi, boisson. Vitality Soda. Je prends un classique. Ok. Je prends. Ça, j'ai. Ça, j'ai. Ça doit être un soin. Tout le monde... c'est le soda favori de tout le monde. C'est bon à boire. Ça doit être bon à boire. Je sais pas, c'est une question piège. Je peux pas le boire, de toute façon, je crois. Bah écoutez, faisons un petit tour avant de lui dire qu'on est prêt. Alors qu'est-ce qu'on peut manger ici? Ah, oh, je ne peux pas traduire. Cow. Là, il y a des milkshakes. Faut lire plus vite, non mais... C'est sûr qu'ils les laissent trop peu de temps, leur truc, quoi. À moins que ça soit dans ta langue, t'as pas le temps de les lire. Et généralement, quand tu mets les sous-titres, c'est que c'est pas dans ta langue. Donc du coup, c'est un peu bête. Good news. Ah mais c'est Starbucks ça. Sea Horse Coffee, bah oui. J'aime bien comment ils ont dérivé la marque, c'est rigolo. La petite boisson à la citrouille là. Je sais plus comment ça s'appelle. Pumpkin truc. Ouais, bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose, hein. Je faisais un petit tour. Zokaou. Ah! Bon. Il y a la fée Clochette qui vient de passer. Est-ce que je peux aller voir ça ou... Bah... C'est quand même bizarre, non? Ah oui, puis c'est quoi le truc qu'il a effacé tout à l'heure? Bizarre. Ouais alors, j'ai pas trop envie d'y aller, hein, clairement. Bon bah écoutez, on va dire qu'on va y aller, hein. Ah attendez, attendez, attendez. Non mais il y a des trucs, mais je peux pas y aller. Ah mais si, attends. Hey, hey. Ah. Oh, je peux prendre un pot de KGG. Il est vide. Non, il y a un truc dedans, je crois. Il y a un truc. Alors, c'est pas vraiment ce que je m'attendais à voir. Skeleton Toy Yoga. Ou Ouga, je sais pas comment ça se dit. Ok, il est assez rigolo. Alors, c'est une figurine limitée en collaboration avec le Poulet Free, avec la chaîne de Poulet Free, durant le mois des fantômes. Du coup, je suppose qu'on peut les collectionner. Blablabla. Ok, d'accord. Ah bah écoutez, j'ai trouvé un collectible. Voilà. Je suis contente. Eh, c'est pas la même tête en plus, ils ont changé la tête et tout. Bien joué, bien joué. Eh non, il y avait un truc. Oui, mais il y a eu Clochette, mais oui. Ah, attendez, je veux juste voir du coup si je pouvais me baisser aussi. Pour aller voir là-bas. Ah non, là je peux pas. Et là-bas non plus. Ouais, non, d'accord. Okay. Bon, allez, vas-y, let's go. Allez, monsieur, on y va. Oh, alors. C'était prêt à partir? Ok. Moi je vais gagner. Je veux encore, peut-être que tu vas gagner. Vous. Tu veux le sergent? Désolé, à propos de ça, le levier ascenseur, c'est de la merde. Prenons les escaliers. Oh, il est d'une lenteur. Oh papy, allez hop. Alors pour faire des pauses, il y a du monde, mais pour marcher, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas les escaliers ça. Hein. C'est un haut. Professeur. C'est le professeur. Ah, son vrai nom c'est Pudi. Mais tout le monde l'appelait professeur. Ah ok. Mais du coup, oui, il est pas là, donc là tu... Ok. il est bizarre. Il est chelou. Ok, le chien, il s'appelle Professeur, si jamais on le voit. Oh putain, en plus, il s'arrête si... Ouais, non, mais c'est bon, Ah, je peux mettre un truc dans la gamelle. Du soda. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai entendu un bruit bizarre. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je peux pas récupérer mon soda, donc... Merde, il m'a pas attendu. Chier dessus, c'est passé quoi? Ça fait un truc. Ah du coup ça m'a donné de la bouffe pour chien. Genre je lui donne un soda, il me donne, c'est lui qui me donne de la bouffe pour chien. Run away. je pense que c'est un message caché mais je suis pas sûr. Tu n'as pas besoin de l'ouvrir pour sentir que c'est de la viande. D'accord. Mais toi t'as peur après le truc quoi. Ok bon je sais pas si c'était un... Un truc caché ou pas? Chien, c'est un dealer, mais grave. Vas-y, donne-moi un soda, je te donne de la pâtée. C'est de la bonne, tu vois. Bon, par contre, j'ai perdu le mec. Hein. Ah, mais. Ouais. Oui. Ah, les gens, c'est les jeunes ces jours. Rien, plus rien ne les effraie. Vous êtes inquiet pour ce qui s'est passé? J'ai entendu que cet endroit était hanté. Hanté? Ah, si après minuit, il y a encore des gens. Ben, hein? Ok. Je sais pas. Qu'est-ce que je vais faire de ma pâté pour chien? Ah bah non, je l'ai même pas récupéré. Attends. Mais ça... Je pouvais pas la récupérer ou elle a juste disparu? C'était un collectif et j'ai pas fait gaffe. Ah non, elle y est plus hein. Ah bah ça devait être un collectif. Ah ok. Ah bah du coup je vais fouiller un petit peu s'il y a des trucs comme ça... Un peu rigolo qu'on peut faire. Allez, papa, avance. Déjà que t'es lent. Attention, j'oublie ma pâtée. Je reviens chercher ma pâtée. Ah mais il y a des bruits de fou quand même là. Genre il entend rien quoi. Ah, ça doit être le dirigeant, enfin le directeur de l'école. Le fondateur de l'école. Zhu Wen. Quelqu'un a fait ses devoirs. Hein. Ah, c'était un bon gars. Mais dans ses yeux, ça dit du sale. Quoi? Ah, rien. Ah, c'est juste parce que ses lunettes sont sales. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Il est louche un peu, ce monsieur. Hein. Soit il est louche, soit il est traîné. Ouais, ok, on s'en fout. Oh, merde! Oh! Ah non, j'ai cru que le jeu avait planté. Allô? Le jeu? Ok, je sais pas ce qui s'est passé. Tout va bien, il est revenu. Vous l'avez toujours? Oh, il y a une guitare. Ouais, je vois que c'est la pièce d'histoire. Toute l'histoire de Wenhua et du building d'arène peuvent être trouvées ici. Prenez votre temps, si vous avez des questions, je vous demandez. Ok, pourquoi il y a un petit chien là? Trop mignon! Pourquoi il y a un Shiba? Oh, cette tête! C'est possible cette tête? Honorary mascotte, Pudi! Ah! Ah mais c'est lui qui m'a... C'est lui le dealer de pâté. C'est le professeur. Petit fan de the school entrance. Ah il a appréhendé un voleur qui avait volé un truc à un étudiant. Il a fait un acte héroïque et il est devenu du coup la mascotte officielle de l'école. Trop bien. Connu pour son appétit, il est resté vers la cafétéria où les étudiants lui donnaient à manger. D'accord. Il avait faim de pouvoir. Du coup il se battait avec son némésis, un chat noir du camp. Ah et le chat noir apparemment c'est un truc avec un esprit en plus. Après avoir perdu le combat, il est sorti aller dans la Military Instructor Office. Ok. Sergent Yuan, bah c'est lui. What often help we consider between school fury friend. Et après il a été rebaptisé professeur. Et il est mort en 1972. Ok. Harry Pâté. C'est lui. Ah, il y a un mec qui a pas été aimé là. Darren Building Construction Start. Fondateur. Avec Zhu Wenxiong. Parler avec le sergent. Ah, il a le médaillon qu'on voit au début de la démo. Sacrée école, il y a carrément un musée de l'école. Ouais. Ah, vous prenez quelques photos? quelle caméra. Allez-y, prenez vos photos. Et faites sûr de ne pas en prendre de moi. Ah, vous avez peur? Ah, de mon physique spectaculaire. Ça doit couper là. Non, ouais, j'ai pas suivi ce qu'ils ont dit, mais ok. Là, on prend des photos. Je sais pas pourquoi on prend des photos de ça. Je pense que c'est plus pour l'amadouer qu'autre chose. On peut pas lui demander pourquoi la tête elle est arrachée là. Ah, il me fait peur. Ah, c'est faux, c'est sûr. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Regardez, vous pensez vraiment que ça vient des années 60? Le bâtiment est censé être construit avec un trigame, je sais pas ce que c'est. Ouais, ça c'est ce que j'ai lu tout à l'heure avec le yin et le yang et l'énergie là, et ça ramène les esprits. Et les directions, les angles doivent être parfaitement alignés. Sinon, ça fait l'effet inverse. Quand ça fait l'effet inverse, ça capture et ça garde les esprits. Au lieu de les repousser, ça garde les esprits diaboliques à l'intérieur du bâtiment. Enfin, à l'intérieur de la structure. Ce qui doit être le cas, du coup, je suppose. Ouais, j'ai juste fait une petite recherche à propos de ça. Ça parle beaucoup, hein. Mais pourquoi les architectes auraient fait un bordel avec le trigame? Ouais, c'est vrai. À propos des rumeurs comme quoi cet endroit est tenté. Vous êtes ici depuis un moment, vous avez vu un fantôme ou deux? Fantôme, hein? Je suis pas sûr d'avoir eu un ou deux. Attends, fantômes et des esprits? Vous allez pas en parler dans votre reportage? Eh bien... c'est déjà 11h34. Allez vite, il est temps de partir. Est-ce que je peux prendre encore quelques photos avec l'ascenseur? Non, non, on a plus le temps. Des excuses. Ok, là, d'un coup, il est un peu plus... D'accord. Quelle est la date? On est le 21 août. On est bientôt le 22. Oui. Peut-être que je peux aider? Non! Et vous devez partir, il est tard. Soyez sûr d'être parti avant minuit. Ouais, c'est ce qui était marqué sur le bâtiment au début. Fallait pas rester après minuit, sinon il va se passer des conneries. 5 heures, il me reste 5 heures, ouais, 30 minutes. Ça va. On a le temps. Elle a dit quoi par contre? Elle a dit je vais faire quoi? Des photos encore? Bla 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 bla. Bla bla bla, ok. Ouais, je traduis pas tout. Mes excuses, il y a déjà pas mal de dialogues. Bon, le truc d'histoire, on s'en fout, on a vu déjà ce qu'on voulait voir, non? On est large, mais oui! C'est quoi ici? Oh! Ça, par contre, ça m'intéresse. On va pouvoir lire la cassette. Eh, il s'y connaît vachement, le gardien. Donc, ça, c'est la fille qui a disparu. Et depuis plusieurs années, prétendue morte, du coup, mais toujours disparue. Okay, ça c'est chelou. On dirait qu'elle fait un rituel. T'as cherché la merde en gros quoi. En fait c'est 23h45. C'est dans les années 2000, donc on doit être un peu plus... au niveau de la date, on doit être un peu plus que dans les années 2000. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle a disparu. Et là, il est minuit. Et là, elle est dans la merde. Par contre, je sais pas si on est en juillet ou si on est au mois de juin. Parce que je sais plus dans quel ordre ils font leur date. C'est mois et jour ou l'inverse? Je sais plus. C'est basé sur une histoire vraie. Ah ouais? Le truc de l'ascenseur? Ah, elle parlait à quelqu'un. 6 juillet. Attends, attends, j'ai fait un truc. Comme sur le trailer du film. Bizarre, j'ai appuyé sur un truc. Ça ne pourrait pas... Non. Checker la vieille lanterne. Ah oui, il a une lanterne dans la main. Ah oui, on a vu des lanternes là-bas, oui. Attends, je regarde... Attends, je sais qu'il y a des petits secrets. Je vais fouiller un peu quand même. Parce que le truc avec le chien, c'était assez rigolo. Non, il n'y a rien. Ah, c'est ça. Ça, j'ai lu tout à l'heure, non? Oui. Oh non, pas un... Oh non, pas ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh non. Move. Attends, comment je move? Oh. Un taquin. Coucou Strala. Non. Quel enfer. Oh, je déteste ça. Non, bah non. Il doit être par là. Oh putain. Oh, vraiment, j'aime pas ça. Attends, tu l'as déjà fait dans la démo. Ouais, mais je m'en souviens pas. Oh, mais c'est chiant comme la pluie. Putain, il y en a aucun qui est à la bonne place. Il va aller là. Ok, lui il va aller en haut. Voilà, commence à être pas mal. Lui va aller là. Là. Ça c'est chiant. À l'aide. C'est bon. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai fait assez rapidement au final. Mais comment j'aime pas ça, quoi. Il y a un truc magique. Oh, pardon. Mais Anima. Hello in the dark, laisse nous tranquille. Le Cecil Hotel Histoire vraie d'une fille disparue dans la dernière image était une vidéo d'elle dans un ascenseur de l'hôtel. Docu Netflix. Ok. Le Cecil Hotel, ok. Intéressant. Hein? C'est un truc connu, on a malheureusement pas le fin mot de l'histoire. C'est déjà minuit? Non. J'ai mis tant que ça à faire le taquin, mais non. Ah bah ça doit être mignon.